Coucou à tous, donc là je suis chez Jiffy, et je suis au rayon naturel massage. Ils ont changé leur rayon et je trouve qu'il y a des super bons choix de produits. Les huiles de massage, je trouve ça super bien, celles-ci elles sentent trop bon. Et celle-ci aussi, magnifique, avec les fleurs à l'intérieur. Il y a des diffuseurs d'huile essentielle pour la voiture à clé USB. Alors j'ai acheté un support smartphone pour les aérations. Donc ça se met dans l'aération comme ça et je peux me filmer. Voilà, et je peux avoir le téléphone ici. Ensuite j'ai acheté chez Jiffy ma perche. Non, ok. Un diffuseur huile essentielle pareil pour la ventilation. Donc il y a des petits coton à l'intérieur, on met l'huile essentielle et ça diffuse dans la voiture pour cet hiver, c'est sympa. Donc je vais le mettre tout de suite. J'ai repris un petit support trépied parce qu'il me fallait juste le haut en fait, et voilà. Ensuite j'ai pris un jeu comme ça, vendredi tout est permis, avec des énigmes et tout ça. Ensuite j'ai pris, merci Didou, un maquillage Pain Glow qui réagit à la lumière UV, et j'ai pris de l'huile essentielle verveine des Indes, voilà, pour la voiture. Toi tu as choisi un spray pour un spray en bonbon. Voilà, donc je vais juste installer ça là dans ma voiture. Donc je vais laisser l'huile essentielle dans la voiture. Là j'ai mis le diffuseur, donc quand on allumera la ventilation, ben, ça diffusera l'huile essentielle, c'est bien pour l'hiver, c'est désinfectant dans la voiture. J'ai installé aussi le truc à smartphone, on peut le mettre des deux côtés, comme ça, voilà, ou l'autre sens. Je suis contente, ça marche bien tout ça. Maintenant on va faire un tour à Cora, je vais passer chez Sephora chercher un patch, enfin les patchs pour les boutons, parce que j'avais testé ça avec Octoly et je les ai trouvés super ces patchs, donc là je vais aller en racheter. Ce qui sont bien, et du démaquillant j'en ai plus, donc je vais aller voir tout ça et on se retrouve dehors. Bon, Didou et moi on s'est vite arrêté au McDo, on a mangé et puis j'avais envie de repasser chez Jiffy. Je me suis acheté un petit gadget, c'est une pince pour poser les gobelets justement, parce que j'y ai pensé quand j'étais au McDo. Donc je trouve ça très pratique en fait pour poser le petit gobelet devant ou des trucs là, voilà. Ensuite, bah, je vous montre le reste à la maison. Il voulait une voiture, Didou, mais je vous montre tout ça à la maison. Je vous montre juste ce qui reste dans la voiture maintenant et ce qu'on rentre à la maison tout à l'heure. J'ai aussi acheté un sapin de Noël comme ça chez... un sapin de voiture chez Jiffy. Bubble gum, ça sent trop bon. Franchement, c'est trop bien. Ça sent vraiment bon le chewing-gum. On dirait qu'il y a un malabar là. Donc chez Jiffy, j'ai pris ça parce qu'il me fallait de nouveau ça. Parce que j'ai perdu ça, donc du coup voilà, ça marche, mais il me fallait vraiment ce truc là, donc je suis trop contente là d'avoir pu retrouver lui, trop bien pour mon trépied. Ensuite, toujours chez Jiffy, donc je vous ai montré le porte-gobelet que j'ai laissé dans la voiture. Ensuite j'ai pris chez Jiffy un jeu, vendredi tout est permis, parce qu'il y a des épreuves inédites et tout ça, et moi j'aime beaucoup, donc c'est vraiment très chouette de faire des pour des soirées ou comme ça, c'est vraiment trop bien. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris chez Jiffy, j'ai trouvé ça magnifique en fait, là, le tube de paillettes pour mettre sur le maquillage. Donc c'était en promo, donc je les ai pris. J'ai aussi pris les paillettes en bleu turquoise. Là, on voit quasiment rien puisque on est dans la nuit. Je vais essayer d'allumer ma lampe là, qui commence maintenant à faire nuit, vous savez. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc nous avons des paillettes or, des paillettes turquoises. Après j'ai essayé les vernis et ils brillent dans la nuit, donc du coup j'ai aussi pris un vert comme ça. Ensuite j'ai essayé les vernis, j'ai pris les couleurs qui restaient, c'était en promo, donc ça fait un effet, et vu que j'ai le néon bleu à la maison, ça brille dans le néon. Donc j'ai pris le rose néon, le orange néon pour faire des nail art d'Halloween, j'ai pris le bleu, voilà.
On va les tester pour voir ce que ça va faire. On va les tester en une vidéo ASMR peut-être pendant les vacances parce qu'au travail j'ai pas le droit de vernis. J'ai pris le vert et j'ai pris le transparent qui brille dans le noir celui-ci. Voilà. Et ensuite j'ai trouvé des paillettes. Elles sont vraiment trop jolies. Donc j'ai pris les turquoises, paillettes libres. J'ai pris les vertes parce que moi j'aime trop ça. Et alors celles-ci elles sont magnifiques. C'est un vert violet. Et j'ai juste trop hâte de pouvoir mettre ça sur mon maquillage. Je les ai vues, j'ai fait waouh, trop belle. Je vais l'ouvrir pour voir comme ça. Ouais, c'est trop beau. Ça fait vert, bleu, violet, bref. Magnifique. Ensuite, je suis passée chez Sephora. Elle m'a donné un échantillon de chez Guerlain et un échantillon Azzaro Homme. Voilà. Chez Sephora, j'ai pris mon démaquillant. Voilà, parce que j'en avais plus. Ensuite, j'ai voulu tester les lingettes démaquillantes. Donc, j'ai pris Aloe Vera. Je voulais celle à l'ananas, mais elles en avaient plus. Donc, j'ai pris Aloe Vera. J'espère juste que ça sent bon. Ensuite, je me suis repris une brume Rituals. C'était la dernière. Donc là, je suis trop contente de l'avoir trouvée. Par contre, il faudrait que j'aille en boutique à Strasbourg chez Rituals. Parce que c'est mes senteurs préférées, Cherry Blossom. Et si je vais un jour de nouveau à Strasbourg, ben je vais me reprendre un stock de ces choses-là. D'ailleurs, j'ai le projet d'y aller. J'ai pris les patchs qu'il fallait. Il y en a 12 pour mes boutons. Ça, ils sont trop bien. J'ai pris un masque. Il y a 4 parfums. Il y a charbon, il y a fraîche, il y a pastèque. Et ça, c'est pour... C'est un masque hydratant, celui-ci. C'est l'hydratant. Il y a beaucoup de différents, en fait, il y en a 4. Il y en a un pour hydrater, un pour le bon teint, il y en a un autre, bref, je sais plus. Mais du coup, j'ai pris pastèque. Et j'ai pris, c'était le dernier, je me suis dit, hop, oh, pourquoi pas, c'est dans la gamme Crayola. Ils ont fait un partenariat avec Crayola, je suis trop contente. C'est des crayons jumbo, je me suis dit, hop, oh, pourquoi pas. Les palettes ne m'intéressaient pas. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, oups. Avoir les petits crayons jumbo là, noir en base et or, c'est vraiment très joli. Il y a noir, marron, brun, noir, marron et or. Voilà, c'est trop chou les crayons là. Donc voilà, chez Sephora. Et ensuite, Cora. Donc Cora, j'ai pris du café, j'ai pris des avocats, j'ai pris ça a le goût de l'intérieur des Kinder Bueno, le Nocciolata. Voilà, donc j'ai pris noisette et j'ai pris cacao et noisette. Donc les deux pour goûter. J'ai pris des bandes pour les mouches. J'ai pris des mini bananes. Voilà, j'ai pris des pêches blanches. Et j'ai pris encore des pick-up que Dylan voulait. Ensuite, au marché, j'ai trouvé... J'étais vite au marché. Il y avait un marché au bord de la route. J'ai pris des abricots. Et ça, c'est mes sauces du McDo, barbecue et curry que j'adore. Voilà, je vais ranger tout ça. Et je vous dis à toutes. Franchement, je suis trop contente d'avoir acheté ce tube-là, en fait. Parce que je viens d'en mettre un tout petit peu. Et ça fait super joli, franchement. J'aime trop. Dommage qu'il n'y avait pas argenté. Il me semble qu'il n'y avait pas argenté. Non, il y avait juste vert, rouge. Parce que argenté, ça, c'est pas mal en fête de Noël et tout ça. Vraiment. Alors là, j'ai mis les paillettes vertes. Là, j'ai mis les paillettes bleues. Et là, j'ai mis les paillettes, c'est un peu un holographique entre violet et vert. C'est vraiment trop beau, il est trop joli. Donc voilà, pour les swatchs. Bon, ensuite, les autres trucs, c'est des paillettes simples, hein. J'ai pas besoin de vous swatcher. Par contre, je vais vous swatcher aussi peut-être les crayons là. Donc pour les fards, hein, je vous ai swatché ça sur ma paupière en fait. Voilà, le bleu pour ça. Et le bleu, ça fait exactement pareil. Et là, je vais vous montrer tout à l'heure avec la lumière UV, ce que ça fait dans la nuit pour les vernis et le fard vert. Les néons, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et lui, il brille dans la nuit. Donc quand on le met à la lumière et quand on éteint les lumières, bah, ça brille très très fort. Regardez. On va se mettre en dessous de la table et vous voyez ce vernis, il brille comme ça. Je sais pas pourquoi je parle moins fort en fait, c'est le réflexe. Du coup voilà, je vous swatcher les Crayola et je vous montre ça. Et après je vous fais aussi un haul pharmacie que j'ai fait hier.
Donc voilà, il se présente comme ça. Donc voilà, le or, le marron et le noir. Là, comme on voit bien les paillettes. Ils ont vraiment pas mal de reflets. Trop beau. Du coup, ça c'est trop bien, c'est trop chou. Comme j'ai perdu le truc, je viens de penser à un truc, c'est que j'ai mis un élastique, deux élastiques pour supporter. Donc voilà, ça me fait deux et je suis trop contente. Du coup, il faut aussi que je vous fasse la lumière. Donc il y a très longtemps, j'avais acheté une lumière UV. Bon, ça fait mal à la tête et aux yeux. Mais là, juste pour vous montrer, je vais l'allumer. Voilà. La branche. Là, je vais la positionner là-bas. Hop. Voilà. On va éteindre. Et vous voyez, quand il y a une lumière néon, tout de suite, ça brille. Ça brille quoi, voilà, c'est super. Pour le hall de la pharmacie, j'ai pris des bonbons comme ça. Il y a marqué pour le voyage, mais ça va empêcher de faire des crises d'angoisse pendant que je roule ou comme ça, parce que je serai concentrée sur la monte forte, etc. Bref, j'ai pris ça, j'ai trouvé ça bien. Et en même temps, c'est pour les voyages, donc s'il y a des voyages en bus et tout ça, bah c'est très pratique et en plus bah, c'est aussi pour mes enfants. Voilà, donc pas de malade dans les bus, dans les transports, etc. Ensuite j'ai pris, ça marche super bien, j'adore cette marque, hein. C'est de Pure Essentiel, c'est un stick SOS Peau Skin aux huiles essentielles, 11 huiles essentielles que je me mets en fait sur les imperfections et ça les assèche. Hier j'avais un de ces boutons et là franchement c'est un petit peu parti, donc j'en mets zone point noir quoi. Et là en ce moment vu que c'est les hormones, ben voilà quoi. Ensuite j'ai pris des vitamines pour les enfants, c'est des mini gommes comme ça sous forme de bonbons goût pomme. Et il y a, j'ai pris défense parce que tous les ans je leur fais une cure en automne pour qu'ils passent l'hiver. L'année dernière ils étaient quasiment pas malades. Voilà pour ici. Ensuite on va là-bas. Alors j'ai pris, oups, des pastilles pour cet hiver. Donc pareil, de la gamme Pure Essentiel, j'adore. Donc j'ai pris menthe eucalyptus et j'ai pris citron. Peut-être pour les enfants, c'est mieux citron parce que c'est à partir de 7 ans. Et moi, mes enfants, ils ont 10 et 13. Donc voilà, j'ai pris citron et eucalyptus. Ensuite, j'ai pris un désinfectant parce que j'en avais plus. J'ai pris aussi de l'Activir parce que au cas bouton de fièvre, j'aime bien avoir ce qu'il faut. J'ai pris aussi du Fervex parce que état grippal, on ne sait jamais. J'ai au moins du Fervex dans l'armoire à pharmacie. J'ai pris des inhalateurs comme ça, de la marque Vicks. Parce que ça, pareil, hein, c'est mon grand-père avait ça, tout le monde avait ça. Et c'est vraiment très pratique, ça se prête pas du coup. Mais ça, je kiffe quand c'est à transporter, quand on a le rhume, bref, ça marche. Et qu'est-ce que j'ai acheté? De l'huile essentielle, il me semble aussi. Je vais aller regarder ça. Donc j'ai pris un stick Roll-On. C'est un roll-on, pardon, c'est pas un stick. Arnica, donc quand on se cogne ou comme ça, c'est en roll-on, donc c'est très pratique. Et j'ai pris, justement, c'est ça, un spray pour le nez de chez Pure Essentiel pour respiration, quoi. C'est trop bien. Et du coup, j'ai aussi repris le spray purificateur d'air parce que je le prends tous les hivers pour purifier mon air. J'aime bien, après avoir fait le ménage. D'ailleurs, il m'en reste encore un petit peu là-dedans. Je vais le terminer et après il y aura celui-ci. J'ai aussi pris un gros bidon comme ça parce qu'on aime bien se nettoyer le visage avec des produits comme ceci. Et puis j'ai pris ben bien sûr la Mustela que j'ai tout le temps. J'avais trois bidons mais ils sont vides. Du coup j'ai juste repris un Mustela mais je voulais tester celui-ci qui est très très bien. Donc la prochaine fois je prendrai que celui-ci niveau prix. Ça sent super bon et voilà.